Aujourd'hui, on se retrouve avec le Smith et Wesson pour tirer. Ok. Oh la vache. Oh le retour que ça fait. Je crois que je l'ai déjà tiré celui-là, mais je suis pas sûr. Trop bien. Incroyable. Trop cool. Wouh! Ah, t'as des cartouches? Ah, taille. Trop bien. Quatre. Oh, l'onde de choc à côté. C'est trop bien. Oh ouais. Comment est-ce que... Bon voilà les amis, comme vous avez vu, aujourd'hui on se retrouve avec un beau Smith & Wesson. On tire avec des belles cartouches en 357 Magnum. Et franchement, c'est magnifique. Comme vous le voyez, c'est magnifique. On a la simple action et la double action. Là, pour le moment, je suis en simple action parce que c'est la première fois que je tire comme ça. On tire à 10 mètres et la session d'après, on fera à 25 mètres. Comme ça, on se fait une idée. À fond, précise. T'as le recul. Ah,
Allez, dans la main, je vais essayer. Et je crois qu'on est bon. Eh ben non, on est bon. Et là, il n'y en a plus. Bon, comme tous ceux qui le connaissent, hein. Belle arme quand même. Hein. Bon, et puis là, t'appuies et... C'est trop bien. Comme dans les films, en mode cow-boy, avec la roulette. Il n'y a personne. Il y a le mur à côté. Voilà. Steam Rugger et coin. Hey, oh.